Bonjour à vous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce magnifique tapis au crochet. Donc là, j'ai fait un tapis en cœur, tout en rond. Je vais également vous montrer en partant de la même vidéo, la même base, comment réaliser ce protège-couvercle WC en forme de cœur également. À l'arrière, nous avons ça pour pouvoir attacher que ça tienne bien. Et toujours sur la même base, je vais vous expliquer pour ceux et celles qui ont les WC, où on doit mettre les tapis avec des ouvertures ici, là. Le tapis, les WC qui sont posés à même par terre. En partant de ce même principe-là, je vais vous montrer comment réaliser ces trois belles choses. Je vais rectifier une petite erreur maintenant, parce que je l'ai repérée un petit peu trop tard. On va tous et toutes suivre le même procédé, jusqu'à la fin de la partie blanche. Pour ceux et celles qui désirent faire le tapis avec les ouvertures sur le côté, à un moment donné de la vidéo, je vais vous dire que c'est ici, c'est à ce stade-là que vous allez faire les séparations. Je vais même faire les séparations avec vous. Sauf que ce n'est pas à ce moment-là, c'est quand on aura fini le deuxième tour de blanc. C'est à ce stade-là. Donc quand je me suis rendu compte de ma bêtise, je vous l'ai redit dans la vidéo que je me suis trompée. Donc maintenant, je vous remontre vraiment que c'est ici et ici. Donc pour ceux et celles qui vont vouloir travailler le tapis avec l'ouverture, au lieu de travailler en rond, comme nous, on va le faire pour ces deux pièces-là, vous allez simplement travailler en va et vient. Vous allez travailler le même nombre de tours ou plus en fonction de ce que vous voulez. Vous allez faire exactement la même chose, les groupes de bride avec les mailles de séparation. Ça va être la même chose que je vais expliquer moi en rond, sauf que vous, vous allez le faire en va et vient, tout simplement. Alors, je vais quand même vous donner les dimensions, en tout cas, du grand tapis que j'ai fait. Alors ici au centre, il fait 54 cm et de large, il fait 58. J'ai eu besoin, alors je vais dire pièce par pièce, ce sera beaucoup plus simple pour moi. Ici, pour le couvercle des WC, j'ai eu besoin de deux pelotes. J'ai pris du fil coton 3, non pardon, oh. Du fil coton 4, des fils d'art, que j'aime énormément pour champ de décoration, du fil coton 4, des fils d'art. J'ai eu besoin de deux pelotes de bleu et d'une pelote de blanc. Donc ça, c'est ce que j'ai besoin pour cette petite pièce qui va le couvercle. Pour le grand tapis, j'ai pris exactement la même couleur, parce que j'aimerais bien que ce soit, que ça reste la même chose. J'ai eu besoin de quatre bleus, et un blanc pour celui-là. Pour le tapis des WC qui a l'ouverture, je ne pourrais pas vous dire, mais je pense que le tapis, l'ouverture, avec l'ouverture sur le haut, vous aurez certainement besoin de la même quantité que j'ai pour ce petit format-là. Donc deux d'une couleur, une d'une autre. Sauf si vous voulez le faire plus grand, donc il faudra plus de couleurs. Le tout, je l'ai crocheté avec le crochet numéro 4. Comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, donc sous ma vidéo, vous trouverez le lien direct pour le coton 3. Alors pour démarrer, on va déjà commencer par le nœud de base. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On sort un petit peu la boucle. On passe notre fil sous la boucle. Et avec notre crochet, on va le chercher. On tire dessus, on a fait notre nœud. Maintenant, on va faire 5 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5. On revient dans la première maille chaînette de départ. On rentre, on ramène notre fil. On fait une maille coulée. On va travailler à l'intérieur de ce petit cercle. On va faire 1, 2, 3 qui font une bride et une de séparation. Un jeté. On rentre à l'intérieur de notre cercle. Donc on rentre, on ramène. Injecter les deux premières boucles, injecter les deux suivantes. On a deux brides, une maille de séparation. Toujours dans le cercle, on rentre, on ramène. Injecter les deux premiers, injecter les deux suivants. Une maille de séparation, injecter, on rentre toujours dans le cercle, on ramène. Injecter les deux premiers, injecter les deux suivants. Pour ce premier tour, on a quatre brides séparées d'une maille entre elles. Pour le deuxième tour,
On va tourner notre travail. On va entrer ici dans la maille sous le crochet. Donc là, on rentre, on ramène et on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui correspondent à une bride. Un jeté. Dans l'espace ici qui sépare les deux brides, on va faire une bride. Une maille de séparation, un jeté. Dans la bride qui se trouve devant, on fait une bride. Un jeté. Dans l'espace qui sépare les brides, on va faire une bride. Une maille de séparation. Dans la bride, on va faire une maille de séparation, pardon. On revient ici dans le même espace. On vient de faire notre dernière bride et on fait une bride. Un jeté dans la bride, on fait une bride. Une maille de séparation. Dans l'espace qui suit, on fait une bride. Un jeté, là on va compter une, deux. Dans la troisième maille, on fait une bride. Comme ceci, on a 1, 2, 3, 4 groupes de 2 séparés par une maille entre elles. Pour le troisième tour, donc on va tourner notre travail. On va rentrer dans la maille sous le crochet. On rentre, on ramène. On va faire 1, 2, 3, 4. Un jeté. On a ici nos deux brides et l'espace. Dans cet espace-là, on va faire 2 brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation et dans le même espace, on rajoute deux brides à nouveau. Un jeté. Dans le prochain espace que nous avons ici devant, donc on va passer les brides dans l'espace, on va refaire la même chose. Deux brides. Deux mailles de séparation. Dans le même espace, deux brides à nouveau. Un jeté. Ici, dans notre dernier espace qui sépare nos groupes de brides, on va faire la même chose. Deux brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation. Même espace, deux brides à nouveau. On a commencé avec 4 mailles en l'air qui correspondent à une double bride. On va devoir finir avec une double bride. Donc 2 jetés sur le crochet. On compte 1, 2, 3 dans la troisième maille. On rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers. Un jeté les deux suivants. Un jeté les deux derniers. Pour le quatrième tour, on va tourner notre travail. On va rentrer dans notre maille sous le crochet. On va commencer comme on l'a fait jusqu'à présent. Avec 1, 2, 3, 4, un jeté. On va directement ici au centre. On a les deux brides, les mailles de séparation et les deux brides. Dans l'espace, on va refaire la même chose. Deux brides. Deux mailles de séparation. Dans le même espace, deux brides à nouveau. Deux. Un jeté. Ici, juste après les deux brides, on a un petit espace. Dans ce petit espace, on va simplement faire une bride. Un jeté. Dans l'espace ici qui sépare le groupe de brides, on va refaire les groupes. Donc, deux brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation. Et dans le même espace, deux brides à nouveau. Un jeté dans l'espace juste après les deux brides, on va faire simplement une bride à l'intérieur. Un jeté dans l'espace qui sépare les groupes, on va refaire les groupes. Alors on commence par deux brides, deux mailles de séparation, même espace, deux brides à nouveau. On va terminer avec la double bride, donc deux jetés sur le crochet. On va ici dans notre première maille des 4. Et là, on fait
notre double bride. À ce stade, on a terminé donc le 1, 2, 3, le quatrième tour. Pour le cinquième tour, donc on va tourner notre travail, rentrer dans notre maille sous le crochet et on va recommencer 1, 2, 3, 4, un jeté. Dans notre espace qui sépare nos groupes de brides, on va refaire les groupes de brides. Donc d'abord, deux premières brides. Les deux mailles de séparation et dans le même espace, de nouveau deux brides. Un jeté. Ici, on a la bride toute seule. Donc, on passe les deux brides ici. On a la bride toute seule. Dans la bride toute seule, on va faire une bride, deux mailles de séparation, même espace, une bride à nouveau. Un jeté. Dans l'espace qui sépare nos groupes, on va refaire les groupes. Donc, les deux brides, les deux mailles de séparation, dans le même espace, les deux brides à nouveau. Un jeté, on passe les brides, les deux, on va directement dans la bride toute seule, et là on refait une bride, deux mailles de séparation, même espace, une nouvelle bride. Un jeté, dans l'espace qui sépare nos groupes, on va refaire les groupes. Deux brides à l'intérieur, deux mailles de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Deux jetés sur le crochet et on va terminer donc avec une double bride dans la première des quatre ici. Pour le sixième tour, on va faire comme jusqu'à présent. On va tourner notre travail, rentrer dans notre maille sous le crochet et ramener. 1, 2, 3, 4, un jeté. On va directement dans notre espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Donc deux brides, deux mailles de séparation, même espace, deux brides. Une, 2, un jeté. On a ici le petit V qu'on a fait au tour précédent, avec la bride, les deux mailles de séparation et la bride. Ici à l'intérieur, on va reproduire les groupes de deux. Donc deux brides, deux mailles de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Un jeté. Dans l'espace qui sépare les groupes, on va refaire les groupes. Pour tout ce tour, on va simplement faire des groupes dans chaque espace que nous avons. Un jeté, de nouveau dans le petit V du tour précédent, on va faire deux brides, deux mailles de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Un jeté de notre dernier espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Et pour terminer, on va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent avec les deux jetés. On va rentrer dans la première maille des quatre, 1, 2, 3, dans la quatrième. Et on termine avec une double bride. Donc ici, on a terminé le 2, 3, 4, 5, 6e tour. Septième tour, on va continuer comme on l'a fait jusqu'à présent. On va reprendre de la même façon. Avec les 4 mailles de départ. Dans le premier espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Donc les deux groupes de brides, les deux mailles de séparation, même espace, de nouveau deux groupes. Maintenant, ce qui va changer pour ce tour, c'est qu'on va faire une maille de séparation entre chaque. Un jeté. On va dans le prochain espace qui sépare les groupes. On refait les groupes. Une maille de séparation dans le prochain espace qui sépare les groupes. Vous allez tout simplement faire dans chaque espace où nous avons les groupes de brides. Refaire les groupes,
Et on va mettre simplement une maille de séparation entre chaque groupe. Donc une maille de séparation, prochain espace qui sépare les groupes. La maille de séparation, prochain espace. On va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent avec les deux jetés et la double bride à la fin. Donc ici, on a fini le septième tour. Le 8, 9, 10, 11 vont être à l'identique de celui-là. La seule chose qui va changer, ici, on a fait une maille de séparation entre chaque groupe. Au prochain tour, on va en faire deux. Donc on va reproduire les groupes dans les groupes. Entre chaque, on va faire deux mailles de séparation au prochain. Celui d'après, on va faire trois mailles de séparation. Celui d'après encore, on va en faire quatre. Et le onzième et dernier, on va en faire cinq. On va dans tous les cas recommencer de la même façon. On rentre dans la première maille sous le crochet. On ramène. Une, deux, trois, quatre. Dans l'espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Donc d'abord deux brides. Deux mailles de séparation, même espace, deux brides à nouveau. Au tour précédent, on avait fait une maille de séparation. Là, on va en faire deux. Un jeté directement dans l'espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Rien d'autre. On va faire que répéter ça jusqu'à la fin du 11e tour. La seule chose à bien faire attention, c'est qu'à chaque fois, on va augmenter d'une maille de séparation. Ici, je suis donc à deux mailles de séparation jusqu'à la fin. On va terminer avec la double bride comme on l'a fait jusqu'à présent. Prochain tour, vous allez répéter les groupes à l'intérieur des groupes. Pour passer au groupe d'après, comme on a fait deux ici de séparation, on va en faire trois. Le tour d'après, on va en faire quatre. Et celui d'après, on va en faire cinq. Donc, comme le procédé est quand même assez simple, je vous laisse continuer exactement le même procédé, juste en faisant bien attention à ces mailles-là. À chaque fois, on va augmenter d'une. On se retrouve à la fin du 11e tour. Alors ici, j'ai terminé tous mes tours, comme je vous ai dit. Donc, je suis au 11e. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, j'ai cinq mailles de séparation entre chaque. Pour le prochain tour, qui sera le 12e, on va tourner et on va commencer exactement de la même façon. Ça ne change pas. 2, 3, 4. Dans notre premier espace qui sépare les groupes, on va refaire les groupes. Donc avec les deux brides, les deux mailles de séparation et les deux brides. Maintenant, on va faire trois mailles de séparation. 2, 3, 2 jetés sur notre crochet. Dans notre prochain espace qui sépare nos groupes ici, donc on passe les mailles de séparation, on va dans l'espace qui sépare les groupes, on va faire 9 doubles brides à l'intérieur. 1, 2 jetés, même espace, on rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivants, un jeté les deux suivants. Donc on a 2 doubles brides. On doit en faire au total 9 à l'intérieur. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 9. On va faire 3 mailles de séparation. Un jeté. Dans notre prochain espace qui sépare les groupes, on va simplement reproduire les groupes. Donc les deux brides, les deux mailles de séparation et dans le même espace, les deux brides à nouveau. Ce qu'on a fait de ce côté, on va le répéter de l'autre côté. Donc les 3 mailles de séparation. 2 jetés sur le crochet. Prochain espace qui sépare les groupes, on va faire 9 doubles brides à l'intérieur. 2, 4, 6, 8, 9. On va faire les 3 mailles de séparation.
Dans notre espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes, tout simplement. Donc les deux brides, les deux mailles de séparation, et dans le même espace, les deux brides à nouveau. On va terminer comme on l'a fait jusqu'à présent avec la double bride. Au prochain tour, on va travailler sur une moitié. On va travailler sur une moitié. Dès qu'on aura fini cette moitié-là, on va attaquer l'autre. Pour le prochain tour, on va le commencer comme d'habitude. Donc on va tourner. On va rentrer et ramener. 1, 2, 3, 4. Dans notre premier espace de groupe, on va reproduire les groupes. Ça ne change pas. Donc les deux brides, les deux mailles de séparation. Dans le même espace, les deux brides. Trois mailles de séparation. On va ici. On a donc les doubles brides, pardon. On va rentrer dans l'espace qui sépare la première et la deuxième avec une maille serrée. Une, deux mailles de séparation. Espace suivant qui sépare les doubles brides. Maille serrée. Une, deux. Espace suivant qui sépare les doubles brides. 1, 2, espace suivant. 1, 2, espace suivant. 2, espace suivant. 1, 2, espace suivant. 1, 2, espace suivant. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petits cercles. On va faire les 3 mailles de séparation. Ici, dans notre prochain espace de groupe, on va simplement faire deux brides à l'intérieur. Juste deux brides. Comme je vous ai dit au tour précédent, maintenant, on va travailler ce côté-là. Ensuite, quand on aura fini ce côté, on va attaquer l'autre. Alors là, on va tourner notre travail. On va rentrer, donc ici, on a les deux brides, dans l'espace qui sépare les deux brides, avec une maille coulée. Là, on va faire une, deux, trois mailles en l'air qui font une première bride. Dans le même espace, on fait une deuxième. Deux mailles de séparation, toujours dans le même espace, on refait deux brides. Donc on a refait nos groupes de brides. Deux. Pour passer dans nos petits cercles, on va faire les trois mailles de séparation. On rentre dans notre premier petit cercle qu'on a créé, maille serrée. On maintient les deux mailles de séparation, cercle suivant, maille serrée, 2, cercle suivant, maille serrée, 2, cercle suivant, maille serrée, maille serrée, 2, maille serrée. Pour passer ici dans notre dernier espace, on va faire les 3 mailles de séparation. Donc ici, on va reproduire les deux groupes. Un premier. Deux mailles de séparation. Plus les deux brides. On va terminer de ce côté-là comme on a toujours terminé, avec la double bride. Je vais vous montrer encore une dernière fois comment faire, parce qu'on va faire que répéter ce qu'on vient de faire. Ici, de ce côté-là, on va terminer toujours avec les doubles brides et commencer avec les 4 mailles en l'air. De ce côté-là, on va avancer jusqu'au centre de chaque petit espace pour reproduire simplement les deux groupes. Donc on va tourner, on va rentrer dans notre maille sous le crochet, ramener 1, 2, 3, 4. Ici on va reproduire les groupes, 1, 2 brides, 2 mailles de séparation, même espace de brides. Pour passer dans nos petits cercles, on va faire les 3 mailles de séparation. On va dans notre premier petit cercle du tour précédent avec une maille serrée. 1, 2, cercle suivant, maille serrée. 1, 2, cercle suivant, maille serrée. 1, 2, maille serrée, 2,
une, deux mailles serrées. Là, pour passer donc à notre dernier espace de groupe, on va faire les trois mailles de séparation. Et dans notre espace, on va simplement reproduire les groupes. Donc les deux brides, les deux mailles de séparation. Même espace, les deux brides. Donc de ce côté-là, on va terminer de cette façon-là. Pour reprendre un nouveau tour, on va tourner. On va avancer dans la maille suivante avec une maille coulée. On va démarrer du centre. Ici au centre, on va faire également une maille coulée. Les trois mailles en l'air qui font la première bride. Dans le même espace, on va faire un premier groupe de deux, et deux mailles de séparation, et dans le même espace, un deuxième groupe de deux. Pour repasser dans nos petits cercles, on fait les trois mailles de séparation. Cercle, maille serrée. Une, deux, maille serrée. Une, deux, deux, maille serrée. Pour terminer, ici, on va faire les trois mailles de séparation. Dans notre espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Et pour terminer, les deux jetés sur le crochet et la double bride. Vous allez reproduire tout simplement ce même procédé jusqu'à ce qu'on se retrouve qu'avec un seul petit cercle. Donc ici, vous allez terminer toujours avec la double bride et commencer toujours avec les quatre mailles en l'air. De ce côté-là, vous allez terminer en faisant bien les groupes dans l'espace. Et quand vous allez tourner, vous avancez jusqu'à l'intérieur de l'espace où on va reproduire les groupes. Et ça, donc, vous allez le reproduire jusqu'à ce qu'on se retrouve juste avec un seul petit cercle au milieu. Alors, quand vous avez répété le même procédé jusqu'à avoir un seul cercle ici au centre, ça vous donne ça. Maintenant, on va tourner notre travail. Avancer en mailles coulées jusqu'à l'espace. On va faire les trois mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Donc là, on va répéter les deux groupes. Les trois mailles de séparation, on va dans notre seul cercle qui nous reste, on fait une maille serrée. Les trois mailles de séparation, un jeté. On va ici dans le centre qui sépare les groupes, et là on va simplement faire deux brides à l'intérieur. Une, deux. On va tourner notre travail. On va aller ici dans l'espace qui sépare les deux groupes. On rentre. On ramène avec une maille serrée, une maille en l'air. On tourne à nouveau notre travail. On fait un jeté. On a ici les deux brides qu'on vient de faire. On n'a pas fini le groupe. Donc là, on va rajouter les deux dernières brides pour terminer notre groupe de brides. Deux jetés sur le crochet. On va entrer ici, donc dans notre maille, pour terminer avec notre double bride. On tourne à nouveau notre travail. Une, deux, trois, quatre. On a ici donc les deux brides et deux brides. On va entrer ici dans la première bride, dans la troisième maille de la première bride, avec une maille coulée. 1, 2, 3. Le groupe d'avant, on a ici les deux brides. Les deux brides, on rentre dans la troisième maille de la première bride. Maille coulée. 1, 2, 3. Dans la troisième maille de la première bride. De ce côté-là, on est en train de faire la même chose qu'on avait fait ici. Pour qu'ils aient la même finition. 2, 3. Donc, ce procédé-là, vous allez le faire jusqu'à ce qu'on arrive en bas. Ici, on va faire les trois mailles de séparation. Trois. On a, donc je vais essayer de bien vous montrer. On a ici les deux brides qu'on avait fait au tout départ. Donc ici, dans l'espace, on va simplement faire maille coulée. Un jeté. Là,
Dans l'espace ici qui sépare les deux groupes, on va faire deux brides. Deux. Une, deux, trois mailles de séparation. Vous avez compris que maintenant, on va faire ce qu'on a déjà fait de l'autre côté. Deux. Là. Donc là, je vous laisse terminer ce côté-ci, comme on a déjà fait de ce côté-là. Donc ici, j'ai terminé. Maintenant, cette partie-là va être à l'identique de celle-là, à une petite chose près, mais qui sera encore plus facile. Donc à chaque fois, vous allez tourner votre travail. On va commencer avec les 4 mailles en l'air. 3, 4. Dans l'espace qui sépare les groupes, on va simplement reproduire les groupes. Rien de plus. Les 3 mailles de séparation. Et on passe dans notre premier cercle. Les 2 mailles. Cercle suivant. Les 2. Cercle suivant. Là, on va faire les 3 mailles de séparation. Un jeté. On a ici les 2 brides qu'on a fait tout à l'heure quand on a fait ce tour. Ici, dans l'espace qui sépare les 2 brides, on va faire les groupes. Donc, un premier groupe de 2, les 2 mailles de séparation, et dans le même espace, un deuxième groupe de 2 brides. Deux. On va faire 2 jetés sur le crochet. On a ici la maille serrée qu'on avait fait tout à l'heure. Dans cette maille serrée, on rentre, on ramène et on fait notre double bride. Pour ce côté-ci, on va commencer comme on l'a fait pour toute cette partie-là, au fait. On va commencer par les 4 mailles en l'air qui font la double bride. On va terminer avec la double bride. Donc là, on va reprendre avec la double bride. On tourne notre travail. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace, on va reproduire les groupes. Les 2 mailles de séparation. Et les 2 brides. 1, 2, 3. Dans le premier cercle. 1, 2. Dans le cercle suivant. 1, 2. Cercle suivant. 2. Cercle suivant. 2. Une, deux, trois. Dans l'espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Les 2 jetés sur le crochet, on termine avec notre double bride. On tourne. On va faire que ce qu'on a déjà fait. Donc on reprend avec les 4. Dans le premier espace qui sépare les groupes, on va simplement reproduire les groupes. Les 3 mailles de séparation. Dans le premier cercle. Les 2 mailles de séparation dans le cercle suivant. Les 3 mailles de séparation. Dans l'espace qui sépare les groupes, on va reproduire les groupes. Pour terminer, les 2 jetés et la double bride. Vous allez donc répéter ce même procédé qui est plus simple, si on peut dire, que le premier, jusqu'à ce qu'on se retrouve de nouveau avec un seul petit cercle. Alors ici, j'ai plus qu'un seul petit cercle. J'ai déjà tourné mon travail, fait mes groupes sur groupe. J'ai fait mes 3 mailles de séparation.
On va dans le seul petit cercle qui nous reste avec une maille serrée. Une, deux, trois mailles de séparation. Dans l'espace suivant qui sépare les groupes, on va simplement faire deux brides pour commencer. Deux. On tourne. On va rentrer ici dans l'espace qui sépare les groupes avec une maille serrée, une maille en l'air de plus. On tourne à nouveau. On revient ici dans l'espace où on n'avait fait que deux brides et on rajoute les deux dernières. Deux jetés sur le crochet et on termine avec notre double bride. Une, deux, trois, quatre. On tourne notre travail. On va ici, on voit notre. On a ici nos groupes de brides et les quatre mailles en l'air. On va ici dans la quatrième et dernière et on termine avec une maille coulée. À ce stade, on a terminé le cœur, que ce soit pour le tapis, pardon, ou que ce soit pour le couvercle des WC. Et vous pouvez même en faire un superbe napperon. Donc à ce stade, le cœur est pratiquement fini. Maintenant, on va encore faire une petite chose. On va compter. Donc en partant d'ici, on va compter ici, donc un espace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je vérifie juste encore une petite chose, donc ça ferait. Non, donc un peu plus bas. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça ferait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc en partant du premier espace, on a ici le grand. En partant de ce qui est juste après, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Au 11e, on fait un petit repère. Maintenant, on va avancer dans l'espace avec une maille coulée. On va faire un tour sur tout le cœur. On va faire 1, 2, 3. Même espace, on rajoute une bride. Donc, on a un groupe de 2. On fait une seule maille de séparation, un jeté. Même espace, on rajoute 2 brides. Un jeté, espace suivant. On va faire un premier groupe de 2. Maille de séparation, même espace, un deuxième groupe de 2. Un jeté, espace suivant. Deux brides, une maille de séparation, même espace, deux brides. Un jeté, espace suivant. Deux brides. Une maille de séparation, même espace de bride. Vous allez répéter donc ce même procédé. Donc dans le prochain espace, dans celui d'après, celui-là et celui-là. Jusqu'à ce qu'on arrive ici à notre repère. Quand vous avez répété, la même chose jusqu'au repère, là on peut le retirer. Maintenant on va alterner. Un jeté. Dans l'espace suivant, on va faire simplement une bride. Un jeté dans l'espace qui suit, on va faire les groupes de brides. Un jeté dans l'espace suivant, on fait simplement une bride. Dans celui d'après, on fait les groupes de brides. Dans celui d'après, on fait une bride. Celui d'après, on fait les groupes de brides.
Celui d'après, on fait une. Le suivant, on fait les groupes. Celui d'après, on fait une. Le suivant, on fait les groupes. Et dans le suivant, on fait une bride. Si on compte à ce stade-là, on a une bride, 2, 3, 4, 5, 6 brides. Parce qu'on fait ici de ce côté-là, vous avez compris qu'on va devoir le répéter de l'autre côté. Donc quand on arrive ici au centre, où on a démarré, on va faire 4 groupes de 2 brides. Donc on rentre dans l'espace, on fait une première, une deuxième, une maille de séparation. Donc on a fait un groupe. On va faire un deuxième groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Même espace, un troisième groupe de 2 brides. Une maille de séparation. Même espace, un quatrième et dernier groupe de 2 brides. Ce qu'on a fait là, on va le faire là. Donc ici, on avait terminé avec une bride. Ça veut dire que là, dans le premier espace que nous avons de libre devant, on va commencer avec une bride. Dans l'espace suivant, on va faire les groupes. Dans le suivant, on va simplement faire une bride. Vous allez simplement répéter. Qu'on a fait de ce côté-là, quand vous aurez atteint, ici on a une, 2 brides, sol. Quand vous en aurez 6, vous allez simplement reprendre les groupes de brides qu'on avait fait. On se retrouve après l'arrondi du cœur.